Bon, maintenant, ça, c'est le vidéo pour la télé. Un petit rappel sur la télé. Ça, c'est la télécommande de la télé, comme telle. Fait que c'est écrit LG. La télé, c'est une LG. C'est facile à reconnaître. La télécommande de Vidéotron. C'est écrit Vidéotron en bas. On ne peut pas se tromper. C'est bon. Pour ouvrir la télé, on peut prendre le bouton en haut ici complètement de la manette Vidéotron. Ça va ouvrir la télé. Ici, juste là. Celle-là. En général, ça ouvre la télé. Mais là, parce que je fais une démo, ça n'a pas ouvert la télé. Je la pointerai probablement passer dessus. Bon. Je refais la même chose par la partie. Bon, fait que là, on voit que là, elle est ouverte, puis elle nous dit que le décodeur n'est pas ouvert. Le décodeur, lui, en fait, c'est le Vidéotron en bas. Donc, pour ouvrir le décodeur, c'est un deuxième temps. C'est le bouton qui est à droite en haut complètement. Fait que je pointe ça. Puis ça va ouvrir la patente. Je vais baisser le son parce que c'est encore couché. Bon. Louis est encore couché, donc on baisse ça. Fait que là, voilà, on a la télé du le Vidéotron. C'est bon. Maintenant, si tu veux Netflix, je vais prendre l'autre télécommande. Il y a un bouton ici là, qui s'appelle Netflix. Il est blanc. Il est blanc, puis c'est écrit Netflix en rouge dessus. Je te le montre comme il faut. Je ne sais pas, je ne vois pas si le focus se fait correctement. Fait que quand on appuie là-dessus, bang, on vient de tomber instantanément sur Netflix. Quand tu brasses un peu la patente, tu vas voir apparaître un curseur rouge au niveau de la télé puis de la télécommande. Fait que tu pointes le curseur rouge avec ça. Fait que là, tu peux aller sur le profil de Louise ou Philippe. Je pense que tu peux même te créer un profil si tu veux. Il n'y a pas de problème. Fait que, tu peux prendre ton profil. Là, t'écris ton profil, c'est pas de problème. Maintenant, pour revenir à Vidéotron, tu as deux façons de faire. Soit que tu vas utiliser sur la télécommande, il y a le petit bouton, là, ça semble un fil qu'on connecte. Fait qu'on peut un peu appuyer dessus. Puis là, ce qu'on va voir arriver au niveau de la télécommande, au niveau de la télé, on voit là, il y a une liste ici qui vient d'apparaître. Ce qu'il faut que tu sélectionnes. Puis ça, il faut que tu sélectionnes ça avec le bouton du centre ici, là. Tu vois le bouton qui est juste là, dans la roulette. C'est juste ce bouton-là. Il faut que tu sélectionnes Set Top Box, ici. En faisant ça, tu vas revenir sur Vidéotron. C'est bon? Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Tu peux aussi y aller avec la petite maison qui est là. Une petite maison, ça peut devenir un peu compliqué. Tu peux switcher sur Netflix, puis tu peux revenir sur le setup box. Mettons que je clique sur. Je prends toujours la petite souris, là, la petite souris rouge. Ça va pas super bien, cette affaire-là, mais en tout cas. N'oublie pas, il faut toujours que tu appuies dans le milieu. Hein. On a tendance à appuyer sur le dernier bouton. Puis c'est pas ça qu'il faut faire. On appuie sur Netflix. On vient de revenir où on était. On peut reprendre la petite maison ici. Puis là, en ce moment-là, on va resélectionner ici. Là, il me dit actualité récente, donc on peut resélectionner. Setup box, toujours avec cette patente-là. Fais attention quand tu utilises ça. Le petit curseur rouge, ça a tendance à exciter les chats, fait que ça se pourrait qu'il y ait un chat qui saute dans tes vues. Ça fait pas le saut, puis si on commence à la regarder de trop proche, tu peux essayer de déjouer leur attention en leur pichant une minouche ou quelque chose. Voilà, fait que là, on est revenu sur Setup box. Comme ça. Bon, ben, c'est à peu près tout. Pour la refermer, ben, regarde, tu peux prendre le bouton rouge qui est là ou c'est tout. Je pense que tu vas te débrouiller avec ça. J'ai l'impression qu'une TV, tu manipules ça depuis plus longtemps que moi. De toute façon, fait que tu vas te trouver quand même avec la quantité de télécommande, on cherche tout le temps un peu. Ça va peut-être éviter que tu te cherches trop. Bon, ben, c'est bon pour ça. Je ferme la vidéo.